Bonjour madame, bonjour mademoiselle et bonjour à vous messieurs. Excellent après-midi ici sur le circuit de Pougnur-Tresse. Et when le saut de la SC Bretonne 11. Mais le coton est là, nous sommes à deux tours de l'arrivée et on se porte là également donc sur l'avant avec Mathis Robin qui en est donc le coton, nous sommes à deux tours de l'arrivée et c'est vrai que maintenant les deux hommes qui ont occupé le devant, voilà, et bien Léon Simon donc ramené très très fort aux avant-postes. J'ai l'impression que le coton eh bien, est pratiquement groupé. Est-ce que le coureur de l'EC Plestin qui avait porté une attaque? Non, c'est toujours les trois hommes. C'est toujours les trois hommes. Voilà, ils sont là. Donc, Ewan Simon, il va falloir tenir. Et nous, on verra en deuxième position. Et en troisième position, ils vont s'aider. Je pense que c'était l'attaque. Voilà, le voilà. Le coureur, donc, 221 qui est sorti du peloton. Un peloton qui revient très, très fort. Avec les coureurs également. Et Libé, le club de Châteaulin, première ligne. À savoir, donc, qu'il était là également. Benjamin Martinez. Voilà, on regarde les leaders. Ils sont là. Où j'ai l'impression qu'on risque d'avoir, donc, un bien emballage au long du...
alors que le peloton peut-être est revenu là dans les derniers mètres, où ça va plus le superbe arriver avec dans tout cas le maillot. Voilà, c'est la victoire de Wayne Simon. Voilà, du Mont-Blanc qui s'impose, et devant Dylan Morin, deuxième. Troisième, ce sera donc Baptiste, ce sera donc Edouard Mérinte. Voilà, alors que le peloton était revenu. Ah, ça a été un peu juste, mais Wayne Simon, voilà, s'impose, le fils de Stéphane. Head back, hands tight, mouth shut, eyes wide, baby, I'm yours. I said, baby, I'm yours. Whatever you say, girl, nobody needs to know. Whatever you say, girl.